Salut Fabrice. Comment vas-tu? On s'est levé de bonne heure? Ouais, un peu fatigué, ouais. Mais pour être tranquille dans l'expo, comme on peut avoir l'accès le dimanche matin, c'est génial. Hein. Bah, c'est super, c'est tranquille. J'apprécie là, à ce moment-là. Après, on a la petite musique d'ambiance et il n'y a personne pour nous embêter, donc on va pouvoir profiter de l'expo. Ouais, c'est clair. On se balade un petit peu ensemble. Ouais, si tu veux, on peut se balader et puis on essaye de commenter deux, trois choses qui nous attirent. Ouais. Parce que ce qui est important aujourd'hui dans le bonsaï, c'est d'avoir de l'émotion. Exactement. Je pense que c'est le maître mot. On va parler d'émotion, oui, parce qu'on ne pourra pas commenter l'ensemble des arbres, c'est impossible, c'est trop grand. Et puis c'est bien. On va se focaliser sur des choses particulières. Ouais, allez, c'est parti. On part en visite. C'est vrai qu'hier, on discutait avec Gabi justement des arbres qui sont quand même assez gros. Il trouvait qu'il avait une certaine émotion devant un arbre, notamment de Mahoro, qu'on va voir tout à l'heure. Ouais. Toi, tu me disais justement le contraire. Tu n'avais pas du tout d'émotion devant cet arbre-là. Tu préférais des arbres de plus petit gabarit, quoi. Hein. Oui, et à certains grands arbres de la montagne avec beaucoup de puissance, je trouve que quand on les passe en pot, ils perdent quelque chose, tu vois. Ils perdent une partie de leur âme. Pour moi, c'est presque des arbres de jardin, si tu veux. Donc, c'est des arbres que je verrais plus dans un aménagement naturel, justement, donc leur rajouter des pierres, la montagne, pour qu'ils dégagent vraiment cette sensation d'arbre sauvage, tu vois. Le bonsaï, pour moi, si tu veux, à un moment donné, on doit pouvoir le porter tout seul. Dès qu'on commence à avoir des engins de levage, comme on a pu voir pour lever cet arbre-là, truc hydraulique, transpalette, enfin je veux dire, on est dans le gigantisme. Ouais. Et cette course au gigantisme, c'est pas mon ressenti, c'est pas ce que j'aime. Quoi. D'accord. Là, comme tu l'as montré, ce petit érable de Borger, pour donner une échelle, on est sur un arbre, il ne fait pas 50 cm. Il ne fait pas 50 cm. Mais quand on le voit, on a une sensation. D'un arbre vieux, un arbre de plaine, on a cette sensation d'un arbre peut-être déjà vu. D'accord. Dans nos souvenirs, dans la nature, voilà. Pour moi, c'est plus ça le bonsaï. Et c'est un arbre, je le prends tout seul. Ouais. Je n'ai pas besoin de me faire aider par 4, 5, 6 personnes pour avoir de la mobilité. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et puis, il a une densification. Tu penses qu'il a quel âge cet arbre? À peu près comme culture, je parle. Hein. Alors, le caïdé, donc la serre bergeranium, ça a la particularité de ramifier quand même assez vite. Ouais. Hein, parce qu'une fois, on avait fait une vidéo avec Hiroyuki, il expliquait que quand on coupe une branche sur un caïdé, on obtient 3 à 4 ou 5 bourgeons. D'accord. Donc, on va très vite en ramification. Mais malgré tout, raisonnablement, un arbre comme ça, pas plus qu'une cinquantaine d'années. D'accord. Pas plus. Non, pas plus. Je pense, à peu près. On ne peut pas dire à 5, 6 ans, 10 ans près, mais on va dire raisonnablement, allez, entre 45 et 55 ans. Voilà, une fourchette pour avoir ce type de ramification. Et pour avoir ce type de ramification, il y a deux techniques pour obtenir ça. C'est donc la taille en verre, laisser pousser, tailler, et la défoliation partielle. Sur un caïdé comme ça, en défoliation partielle, c'est-à-dire couper une feuille sur deux, vous allez pouvoir faire ça dans des conditions de culture correctes 4 à 6 fois dans l'année. C'est ce que je fais à la maison. D'accord. Et là, avec cette technique-là, vous développez la ramification. Et le deuxième L'arbre d'accompagnement. Donc c'est un chujubai. Un chujubai, Chainomeles japonica. Un style penché limite Ankengai. Oui, limite. Voilà, donc on voit vraiment qu'il a une direction franche qui va vers la gauche, opposée à celle du Kaede. Il faut bien que les arbres se fassent face. C'est très important dans ce genre de présentation. D'accord. C'est aussi très important de respecter quelques règles de proportion. Mais généralement, l'arbre secondaire doit être faire à peu près les un tiers de la hauteur de l'arbre principal, en gros. Voilà. D'accord. On doit vraiment d'abord voir l'arbre principal et après se focaliser sur l'arbre secondaire et pas l'inverse. Okay. Ça, c'est super important. Ouais. Et puis une petite plante d'accompagnement. Oui. Et vous pouvez remarquer que l'espace qui est ici est presque moitié moins que l'espace entre l'arbre secondaire. Parce que la plante d'accompagnement, elle accompagne l'arbre principal. D'accord. Elle n'accompagne pas l'arbre secondaire. Ça, c'est très important de respecter cet espace vide réduit ici et cet espace vide plus important ici. D'accord. Et si on mettait un kakejiku, parce qu'on pourrait rajouter... Il pourrait rajouter un kakejiku. Le kakejiku viendra forcément se placer à l'axe de la présentation. D'accord. Alors pour les novices, pour ceux qui ne connaissent pas le kakejiku, tu peux dire ce que c'est vite fait. Kakejiku, c'est communément la calligraphie ou l'estampe ou l'illustration, ou la le rouleau. Japonaise, voilà, le rouleau qu'on viendrait fixer à l'arrière-plan. Ouais. Dans cette présentation, on a deux arbres. On a un pin sylvestre sur la gauche. Ici, là, Voilà. Et puis sur la droite, on a un orme,
un keyaki, un orme du Japon, ouais. Avec une ramification extraordinaire. Bon, ça c'est un arbre japonais. C'est un arbre qui a été acheté au Japon, très bien travaillé, amélioré, avec une maturité exceptionnelle. D'accord. Et en face, on a un pin sylvestre, donc un arbre de chez nous, ouais, un arbre autochtone, tout à fait, qui a la maturité d'un arbre japonais. Et ça c'est du bonsaï. On le voit depuis très longtemps en expo cet arbre. Voilà, hein, voilà. Louis Valero, il me semble. On atteint un niveau de maturité qui est comme un arbre japonais. D'accord. Et finalement, on sait que c'est un Yamadori, si on le sait, mais on peut éventuellement peut-être croire que c'est un arbre japonais, mais on ne le sait pas. Donc ça veut dire que nous, avec nos arbres de chez nous, en travaillant, on obtient un résultat comme les arbres japonais. Et là, on est encore, comme dans la présentation de l'érable de Berger, c'est ce qu'on appelle centaine Kazari. Oui, présentation à j'aime beaucoup. Arbres. Moi. Arbre principal, ouais. En coque, style un peu semi-cascade, ouais. Et un orme. Alors, dans l'ensemble, c'est vraiment une belle présentation. Je dirais que s'il y avait une chose à améliorer, oui. Ce serait la hauteur de la tablette. De cette tablette. D'accord. Parce que pourquoi, au jour d'aujourd'hui, quand je regarde les deux arbres, bien sûr, j'ai un arbre principal en premier axe de vue, ouais. Un arbre secondaire, mais je dirais que l'arbre secondaire est presque un petit peu trop haut parce qu'il a une belle ramification. Donc comment on pourrait améliorer ça? Ben, on pourrait améliorer ça en réduisant la hauteur des barreaux de cette tablette, en compressant un peu, et en coupant les pieds éventuellement d'à peu près 3 cm pour descendre la hauteur du balai. D'accord. De cet arbre-là. Et là, esthétiquement, ça fonctionnerait encore mieux. On a des beaux espaces vides. Ouais. Ça, c'est super intéressant parce que c'est dans les espaces vides que se passent beaucoup de choses. C'est là où votre imaginaire, il peut aller. Ouais. Dans les espaces pleins, dans les arbres, si vous voulez, il y a des espaces vides. Comme ici, il y a des espaces pleins. Les espaces pleins, c'est ce que voit votre œil. Mais votre imaginaire ne peut rien faire dans ces parties-là. Par contre, dans ces espaces vides ici, ou ici, là, votre imaginaire, il peut imaginer quelque chose. Là, le bleu, on peut imaginer que c'est le bleu de l'océan, par exemple. Ouais, bien c'est sûr. Un pin qui surplombe la falaise. Ça, ouais. C'est à vous d'imaginer quelque chose. Quand quelqu'un présente un arbre, lui, il pense à quelque chose, mais il va entre guillemets, vous suggérer des choses, et après, à vous de les imaginer, à vous, entre guillemets, de vous faire votre film. C'est ça qui est intéressant dans les présentations des bonsaï. C'est pouvoir proposer à quelqu'un des choses, et puis que son imaginaire va pouvoir divaguer, va pouvoir voir ce que vous ne voyez pas. Et si vous avez la possibilité d'échanger avec d'autres personnes, c'est ça qui est intéressant. Alex, on s'arrête devant ce taxus. Superbe taxus qui est à Louis Valero maintenant, en ouais. Espagne. Tu connais l'historique un petit peu de ouais, cet arbre. Je connais bien l'historique de cet arbre. C'est un arbre qui vient de chez Kimura, qui a été importé par Danny Hughes dans les années 2000, quelque chose comme ça. Entretenu par Danny et puis après vendu à Louis Valero. Continue l'entretien, le moshikomi, l'avancement de l'arbre. Je pense que le pot, c'est un gyozan. Je reconnais bien la couleur de la terre de ces pots-là. D'accord. Et aussi le style de ces pots, le style du travail de ce monsieur. Gyozan, aujourd'hui, au Japon, c'est considéré comme le meilleur potier. D'accord. Donc là, l'estimation du pot, par exemple, tu peux me dire? Un pot comme ça, au Japon, ça vaut dans les 400-500 euros, prix Japon. D'accord. Voilà. Prix et Japon, bon. Ce qui fait qu'après, en France, ça... Bah, pour l'importer, pour ceux qui veulent les revendre, c'est des pots qui doublent, quoi. Ouais, ça double. Ouais, ouais. Gyozan est de plus en plus cher parce qu'il est de plus en plus demandé. Et puis, il est de plus en plus rare. Plus en plus rare, et puis aussi, il fait des pots de grande dimension. Il y a très peu de personnes au Japon qui font des pots d'aussi grande dimension que lui. Il a une page Facebook, de temps en temps, vous pouvez voir, il sort des pots énormes de son four, c'est incroyable. D'accord. Donc, je pense que le pot... Et voilà, regarde, tu vois, il n'y a plus qu'à regarder. Hop. Japanese pot, gyozan. Ouais, ouais, on n'a pas... Voilà, j'ai même pas besoin de regarder l'étiquette. On n'a même pas lu l'étiquette. En fait, il a une couleur très... Gyozan, il a une couleur qu'on reconnaît, son marron, sa couleur de terre, on la reconnaît parmi 1000 pots, je peux reconnaître un gyozan. C'est qu'il a une vraie empreinte. C'est qu'il a une vraie empreinte, un vrai savoir-faire, quoi. Au niveau de la tablette, qu'est-ce que tu en penses? Elle est proportionnée, pour moi ça fonctionne. Pour moi, c'est une tablette qui convient à l'arbre. Ouais. Peut-être j'aurais... Si, non, les pieds ronds, ça donne un peu de douceur. Ouais. Parce que c'est un arbre qui n'est pas très grand, là, une fois de plus. Non. C'est un arbre qui fait 60. 60, ouais. Avec le jean. Hein. Donc, le jean. Et il est quand même massif, je trouve. Hein, pour, ouais, il est quand même puissant, ouais. Il est très très puissant. Bien sûr, bien sûr. Et accompagnement avec cette plante... Ce bambou, c'est un petit bambou. C'est un petit bambou, ouais. C'est un genre de petit bambou avec un petit pot bleu, sympa. Bon, une fois de plus. Elle dépasse un petit peu, je trouve. Non, elle est pas. Elle est un peu haute. Elle est un peu haute. Mais par contre, il y a beaucoup d'espace vide, donc. C'est ça. Ça gêne pas trop, en fait. Non, ça va. On,
quand on regarde la présentation, on ne se focalise pas forcément sur la plante. Donc, ouais. Voilà. Après, les histoires de hauteur de 2/3, bien sûr, c'est des règles, il y a des règles générales. Il ne faut pas que la plante elle dépasse la tablette. Mais il y a des cas de figure dans des présentations où on ne peut pas forcément respecter ces règles-là. On peut les transgresser, mais ça peut au final fonctionner aussi. C'est surtout une question d'harmonie de l'œil. Ça aussi, c'est très important. Par exemple, vous avez des personnes qui disent des fois la largeur du pot doit être au moins égale aux 2/3 de l'arbre et éventuellement la profondeur du pot doit être égale à la largeur du tronc. Mais si par exemple on voit cet érable, imaginez si je suis obligé de mettre un pot qui fait en profondeur plus ou moins la largeur du tronc. Mais ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Donc ça veut dire qu'il y a des règles générales, mais il y a des cas de figure où on n'applique pas ces règles générales. Ouais, et c'est là où on doit s'inspirer et voir ce qui se fait et entre guillemets copier, je dirais. Tout à fait. Et là, c'est une appréciation personnelle, c'est une question de proportion et d'harmonie. Donc ça, c'est très important de le garder en tête. On s'arrête sur cette présentation. Oui, tout à fait. Donc, très minimaliste là. Hein. Tout à fait, un arbre principal avec un accompagnement. Plantes d'accompagnement et rochers, enfin suiseki, composé de végétaux. Donc l'arbre d'accompagnement, c'est un pin mougo de Nick Rosman, c'est un copain. C'est l'un des bois morts les plus exceptionnels que j'ai vu depuis très longtemps. On dirait de la dentelle. C'est effectivement c'est incroyable. En fait, l'arbre est tout en équilibre, on a l'impression qu'il va tomber, ouais. Qu'il va se casser, alors que il a l'air quand même assez solide et j'aime justement cette fragilité et en même temps la survie. En japonais, on pourrait appeler ça, on a un terme qui désigne ce genre de choses comme étant le wabi-sabi, ou entre guillemets, le vivant côtoie la mort. Donc, dans cet arbre-là, c'est parfaitement le cas parce qu'on a toute cette partie morte et cette partie vivante qui vient alimenter la végétation. Mais tout ça dans un équilibre très, très précaire. Ouais. On sent que si l'arbre vient à plier, à casser, c'est la fin de vie de l'arbre. Donc ça, c'est super. Ça te touche, quoi. Ça, ouais, là, ça, t'as ça une émotion parle. Devant ouais. un arbre ah ouais, comme ça. Un arbre comme ça, ça me parle. Ouais. Ça me parle vraiment. Donc, t'as vu, avec le jeu des lumières, on a également l'ombre portée. L'ombre derrière, pas mal, avec le coude, exact. Ça fait quelque chose, ça fait esthétique. Quand on voit l'ombre portée comme ça, on a vraiment l'impression, moi qui ai été prélevé pendant plusieurs années, je vois les pins sylvestres de la montagne. Hello Walter. Hello Walter. Je vois fine and you. Et Walter qui vient juste d'arriver. Il est dans son truc. Ouais, il est dans son truc. Ouais, ouais. Là, il faut pas l'embêter. On arrive devant un arbre qui est primé. Ouais, tout à fait. Je crois qu'il a eu le prix du meilleur conifère. Le prix du meilleur conifère. Donc on va s'approcher. T'as vu ce mouvement là? Ouais, ça c'est un Yamadori, hein. C'est pas un arbre japonais, ouais. C'est un pin noir d'Autriche. D'Autriche, on dirait bien. Pinus nigra, c'est un pin noir d'Autriche. Ouais. Voilà, là une fois de plus, on a un moshikomi, on a un travail qui ferait croire que c'est un arbre japonais, quoi. On a tellement une densité de feuillage importante, qu'on a du mal à se dire que ça a eu été un Yamadori. Puis à mon avis, là il y a eu pliage, il y a eu du gros travail de fait, quoi. Ouais. Mais c'est vraiment un arbre extraordinaire. Cette écorce, elle est incroyable. Elle est fabuleuse. Elle est fabuleuse. Pinus nigra, donc Mario Comsta. Oui, tout à fait. Non, il a été stylisé par Mario Comsta, mais le propriétaire, c'est Luis Valero. Ah, c'est Luis Valero en dessus, ouais, autant pour moi. Ouais. Et Luis Valero fait entretenir beaucoup d'arbres par Mario Comsta. D'accord. Mario Comsta qui a appris au Japon pendant des années chez Hiroshi Bata. Donc on ressent bien la pâte. On a le tronc du Yamadori, voilà, on a ce caractère là, mais après au niveau du feuillage, de la mise en place japonais. Des volumes, on ressent bien l'inspiration japonaise. C'est le clair. Japonais qui ressort. Mais finalement, les deux s'accordent parfaitement. On est plus sur des présentations un peu plus puissantes, un peu plus massives, mais bon, c'est normal vu le caractère de l'arbre. Au niveau de la présentation, qu'est-ce que tu peux rajouter? La petite fougère, ouais, une c'est très classique, très simple. C'est la sélaginelle japonaise, voilà. Ouais. Une planche un peu bois brûlé, légèrement.
la plante vraiment un peu décalée sur la gauche, donc deux tiers, un tiers à peu près, les deux tiers pour donner la direction qui fait face à l'arbre. Ouais, ouais. Donc là, il n'y a aucune faute. Au niveau des volumes, tu vois, c'est très dense, c'est très compact, donc j'ai moins de ressenti à ce niveau-là. On se balade dans les allées avec Alexandre. Ouais, si je vois un truc qui me procure un coup de cœur. Tiens, on discute un petit peu de ce gros pin. J'aimerais avoir la critique, ta critique du gros pin de Mauro Stenberger. Le pot doit faire un mètre de long. Ouais, ouais, à peu près un mètre. Ouais. Ouais, voilà. Mets-toi à côté, on va voir de suite. tu vois. Voilà. Là, c'est. Un mètre, quasiment. Un mètre de long. Ouais. En fait, la sensation que j'ai, je sais pas si certains d'entre vous regardant sur internet, en Chine il y a très longtemps, il y avait des femmes aux pieds bandés. Il y avait un corps assez gros, étriqué dans des toutes petites chaussures. Tout comme ça. Ouais. Et bah, quand je regarde cet arbre, j'ai la même sensation. D'accord. C'est-à-dire que, je sais pas, je me sens pas à l'aise en fait. J'ai l'impression que cet arbre, il perd une part de sa liberté. Il est enfermé. Ouais, il est enfermé, c'est ce que je ressens. Moi, cet arbre-là, je le vois pas comme étant un bonsaï. D'accord. Cet arbre-là, je le vois comme étant un arbre de la nature, sauvage, ou éventuellement peut-être intégré un jour dans un jardin japonais avec des belles roches patinées, qu'on lui redonne sa liberté, entre guillemets. C'est ce que je ressens. Ça me procure rien. Il y a un super bronze de Hank Fressen qui est caché par ce bois mort qui est devant. L'accompagnement il est posé là alors qu'il devrait être par là-bas, plus d'espace. C'est très déroutant. Voilà, c'est mon ressenti. C'est un ressenti, c'est une émotion. On ne parle pas de la beauté, on ne dit pas que l'arbre est moche. Hein. C'est pas non, du tout ça. La critique, non. Elle est sur l'émotion. Hein, elle est sur l'émotion et le ressenti personnel de chacun. Moi, pour moi, c'est un arbre de jardin, c'est pas un bonsaï. Bonjour Dany. Tout le monde. Bonjour Dany. Ah oui, il va s'en aller. T'inquiète. On va s'éloigner un peu parce que les discussions doivent rester privées. Donc là, Dany est en train de discuter un petit peu business avec Alex. Donc il faut respecter aussi ce genre de choses. Ça va ? Manu, comment vas-tu ? Ça va. Alors, tu découvres l'expo ce matin avec un peu moins de monde ? Ouais, parce qu'hier, j'ai pas eu beaucoup de temps pour la voir. Ce charme-là, il t'a tapé dans l'œil ? Ouais, parce que c'est pas un arbre qui respecte les canons japonais, quoi. Ouais. Et c'est un style très naturel. La sensation, c'est que pour moi, c'est le genre d'arbre que je peux voir chez moi, dans la campagne. C'est pas un arbre structuré comme il le faut, mais pourtant, au niveau de la ramification, on voit qu'il est super bien travaillé. Ah oui. On ressent le travail de Walter Paul un peu, parce qu'il travaille beaucoup des arbres dans son style. Oui, tout à fait. Alors là, c'est l'art de, j'ai du mal à dire son nom, mais de Marie Jahadi. Et j'adore aussi ce qu'elle fait, quoi. Et puis bon, la présentation un peu commune, sur une planche de bois, sur un volet, carrément. Sur un ancien volet. Voilà. Donc, très bel arbre, belle ramif, des branches qui sont pas posées là où on a l'habitude d'en voir sur des canons, quoi. Mais je trouve le travail très intéressant et très, très beau, quoi. Très naturel, quoi. Bah, écoute, voilà, Manu, c'est mon ressenti, quoi. Je te remercie. Mais de rien, au plaisir. Donc là, on est sur... Il y a des pots aussi. Ouais. Il y a des pots en présentation, en fait. Hein. C'est assez surprenant cette année. Des pots antiques, des pots de collection. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est beau, beaucoup, hein, c'est... Au Japon, hein. Ça se fait beaucoup au Japon. Et ouais, c'est une des premières fois... Enfin, on avait vu ça un peu à Saulieu. Ouais, hein. C'est ça, exact. Et là, de nouveau, des pots antiques en présentation sur tablette. Tout à fait, du kawatari. Donc ça, c'est du pot chinois. Chinois antique ici, là, par exemple. Vous pourrez voir que bien souvent, sur les pots antiques, il y a eu des éclats, parce qu'ils ont bourlingué, hein. C'est pas des pots qui sont jeunes, c'est des pots qui ont 100 ans, 200 ans. Donc ils sont réparés à la laque, au kintsugi. C'est communément réalisé sur les pots anciens. Ça, c'est quelque chose que tu aimes ? Oui. Les présentations comme ça de pots antiques. Ouais, j'aime bien. Bien souvent, on oublie, le pot s'efface aussi un peu au profit de l'arbre, alors qu'il est un élément, il est un des éléments les plus importants dans l'association du bonsaï, quoi. Parce que quand on a un arbre, on réfléchit à lui trouver un pot adéquat. Bien souvent, on essaye de faire en sorte que le pot ne soit pas trop présent, et de ce fait, on l'oublie un peu. Donc là, de retrouver une expo de pot,
on retourne aussi un peu aux fondamentaux de la céramique, du travail de la céramique, et on rend un peu honneur éventuellement aux artisans qui font ces poteries. Parce qu'il y a des hommes derrière, derrière la poterie. Ouais, tout à fait. Hein. Ceux-là, à mon avis, ça fait un bon moment qu'ils sont plus de notre monde. Hein. Celui-là, il est extraordinaire. Donc ça, c'est un Yixing, c'est un Shin Watari. Donc ça, c'est un pot japonais chinois antique. Antique, ouais. Ouais, ouais. En fait, ces formes-là sont copiées aujourd'hui par les Japonais. Par les Japonais, quoi. Les formes un peu comme ça, entre guillemets, lotus. Un peu lotus, moko, c'est des formes chinoises à l'origine. D'accord. Et maintenant, les Japonais aussi font des pots plus modernes ou des pots qui ont 20-30 ans. Ouais, ouais. On copie un peu ces formes chinoises. Pas oublier que la poterie, pour les bonsaïs, le bonsaï, à l'origine, c'est chinois. Eh oui. Et oui, hein, donc ils ont perdu des choses que les Japonais ont récupérées, améliorées ou agrémentées à leur culture. Mais maintenant, il y a un peu aussi un retour aux fondamentaux où on recherche les pièces d'origine, d'où les pots de collection. Des pots de collection chinois. Exactement, qui se payent à prix d'or. Ça va de raisonnablement de 700 à 2-3 000 euros ou plus, quoi, pour des pots qui datent de la dynastie Ming ou des choses comme ça, bien plus anciennes. C'est de la collection. Parfois, ils sont utilisés pour les expos. Bien souvent, on sort l'arbre de son pot, entre guillemets, des fois de culture. On le met dans un arbre, dans un pot de collection, excuse-moi. Ouais. On l'expose et puis après, on le ressort pour le remettre dans son pot de culture. Et le pot de collection rentre soit parce qu'ils sont déjà patinés, donc il n'y a plus besoin de les stocker dehors. Donc là, on les laisse sur une étagère au sec. C'est ce qu'on recherche, la patine, hein, sur les pots C'est ce qu'on recherche sur les pots, dans nos arbres. Il y a des pots qui paraissent très, très bruts. Regarde, par exemple, celui-ci, là, le verre carré. C'est ça. Et très brut. On voit pareil qu'il avait été griffé, là, et qu'il a été réparé à la laque. Alors, à la laque. À la laque, tout à fait. Ça, hein. C'est ça, kintsugi, on appelle ça. Ouais, c'est une technique particulière pour réparer les pots. Réparer, de ressouder cette agression, entre guillemets. Mais on n'essaye pas de la cacher, quoi. Il y a quelques Français qui font ça, et ils ont raison, ça évite de jeter les pots. Bien sûr. Pourquoi pas. 1923-1926. Putain. C'est carrément scénarisé, en fait. Hein. C'est carrément scénarisé, avec le fond, avec le dragon, la tablette. Ouais, on est dans le même cadre. C'est un pot japonais, ça. Il y a des écritures sur le côté. Ouais, il y a des kanji. Là, on voit que le pied a été cassé, tu vois. On le voit très peu, mais tu vois. Ouais, on le voit, il a été... Et là, il y a une patine de fou, tu vois, sur le bord du pot, là, c'est noir. Ouais. Donc ça, c'est une patine qui a 100, plus de 100 ans, plus 100, peut-être même plus encore, tu vois. C'est ce qui fait faire aussi la valeur du pot, sa rareté, sa patine, sa condition actuelle. Ouais. Et puis, tu vois, la patine s'est fixée. Et c'est marrant, la patine, tu vois, la patine se fixe sur les parties plates, ouais, mais ne se fixe pas à l'intérieur. Donc, c'est ce qui donne le fait que là, il soit un peu marron, marron-jaune, alors qu'à l'origine, il est vraiment marron très clair, tu vois. Là, il est marron très foncé. Donc, c'est pour ça qu'on obtient ces contrastes et cet effet de matière, on dirait presque du cuir à un moment donné. On dirait du cuir. Tu vois, un cuir tanné, tu vois. Sur les meubles antiques. Les meubles, les suiseki. Les suiseki. Tu vois, les suiseki qui sont très vieux. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est ça qu'on recherche dans les pots anciens. On a parlé de l'if et du pot gyozan. Ouais. Ça, je suis arrivé de là-bas. Ça aussi, c'est un gyozan. On reconnaît la couleur de sa terre, tu vois. D'accord. Il a une couleur particulière. Celui qu'on a vu au début était un gyozan aussi. Sur l'if, là, le très bel if. Celui-là, c'est une forme lotus comme l'autre d'ailleurs. C'est un lotus un peu moko. Moko, tu vois, regarde. Moko. Toi, tu dis, tu vois, ouais, il est considéré dans les moko. Ouais, ouais, d'accord. Mais c'est vrai qu'avec ces lobes très fins, on a l'impression, on pourrait avoir les pointes de la fleur de lotus, tu vois. Mais il est considéré comme étant dans la classification moko. On a un beau koyo. Koyo, bah, il est super connu pour ce genre d'émail. D'accord. Avec les nécluoses. C'est sa marque de fabrication, c'est un potier qui est très recherché au jour d'aujourd'hui. Tous ces pots sont vraiment achetés au fur et à mesure. Et on les reconnaît parmi 1000 pots, vous pouvez reconnaître cet émail-là de Koyo. C'est vraiment ce qui a fait son succès actuel. D'accord. C'est cet émail-là avec les cristallisations de l'émail. Après, je ne pourrais pas vous en dire plus, je ne suis pas... spécialiste de la poterie, ouais. Je ne suis pas potier, je ne suis pas spécialiste, mais je sais qu'il a été reconnu pour ça et qu'on reconnaît ses pots dans le monde entier pour ça. On continue à se balader avec Alex au niveau des poteries antiques. Et on découvre des poteries assez incroyables.
Celle-ci, Alex, elle a une forme particulière, hein, cette poterie. Ouais, elle a une forme particulière. C'est une reproduction, en fait. Enfin, c'est un Kowatari. C'est une reproduction d'un Kowatari. Au Japon, cette forme-là, elle est utilisée pour les arbres de style un peu bunging, en fait. C'est pas une reproduction fidèle. Très très bonne, très très fidèle, parce que c'est vraiment épais. Ouais. Mais par contre, la proportion et le style, c'est bien dans l'esprit, quoi. Des Kowatari comme ça à la vente, ça se vend en très peu de temps aux enchères. Faut voir comment ça monte les prix. Les mecs, ils les veulent à tout prix, quoi. D'accord. Finalement, on aime montrer un objet qui a une certaine valeur ou un certain vécu, en fait. On pourrait aussi faire ça avec des katanas, on pourrait aussi faire ça avec des kakejiku. Chez nous, on pourrait faire ça avec des commodes Louis XIV ou du mobilier. Ça doit se faire aussi. Tous ces objets qui ont une âme, qui ont du vécu et qui ont, bah, bien sûr, grâce à tout ça aussi, bah, oui, une valeur entre guillemets financière. Mais c'est intéressant de pouvoir voir voilà, des pots sans des arbres dedans. Juste apprécier le pot pour le pot. Alexandre, merci beaucoup d'avoir répondu et puis d'avoir fait un petit parcours avec moi. Pas de soucis, c'est avec plaisir. Il y a encore beaucoup d'autres belles choses. Ouais. Tu vas continuer à... On va découvrir des arbres avec Alexis, on va découvrir aussi avec Gabi, etc. Moi, il faut que j'y aille, j'ai un petit peu de boulot, on m'attend. Et si vous pouvez donner un petit coup de pouce à Fabrice, essayez de le faire parce qu'il se donne du mal et il passe beaucoup d'heures pour vous partager des choses que des fois vous ne pouvez pas voir sur place. Donc pensez à lui. Un arbre, Alexis, là, qui en fait, c'est un olivier sauvage. Ouais. Ouais, ouais. Tu connais bien toi aussi. De cette densification-là. C'est vrai que là, les feuilles sont petites, ouais. Les feuilles sont très très petites, hein. On voit donc elles c'est. Elles sont plus petites que les squabs de l'écorce, quoi, en fait. Ouais, ouais. Ça, c'est un arbre de German Gomez, qu'on peut retrouver sur Facebook d'ailleurs. C'est quelqu'un qui a déjà gagné la Nolander, je me rappelle, en 2014. Là, c'est un arbre qui est composé d'un gin, d'un chari gin, on va dire, à sa base. Avec des parties, avec des parties qui semblent flotter. Ah, voilà. De la dentelle. Ça tient à rien. Ça tient à rien du tout. Cette structure-là qui est devant, incroyable. Je vais essayer de vous la montrer, voilà. En tournant un petit peu autour de la structure. Voilà. Et puis après, Il a une densification, cet arbre, superbe, surprenante, presque comme certains ormes de Chine. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça ressemble.
plateau des armes de Chine. Ah ouais. Tu aimes ce genre d'arme ? Hein, Alexis ? Ouais. C'est le test river ou quoi ? Ouais, je sais pas quoi dire. Soit c'est trop beau et je sais pas quoi dire, soit je suis nul. Ouais, on reste un petit peu sans voix. Hein. Ouais. German Gomez, c'est un professionnel espagnol qui possède énormément d'arbres de cette qualité, qui les fait lui-même, hein. c'est fait par lui. Alors moi sur la présentation, tu vois, ce que j'aurais un petit peu changé, c'est surtout cette plante d'accompagnement qu'on voit sur le côté. Ouais, elle est trop grosse. Je la trouve un peu grande, ouais. Je la trouve un petit peu grande. Alors j'aime bien la plante en elle-même, par contre je trouve que c'est discutable. Sur les hauteurs de plantes, il faut faire attention de ne pas trop dépasser, vous voyez, la tablette de l'arbre. Et là, voilà, si on se met à ce niveau-là, on voit qu'elle dépasse un petit peu, je la trouve un peu grande. Mais bon, après, je veux dire, c'est un ressenti personnel déjà, c'est discutable. Et bon, l'arbre, il n'en reste pas moins exceptionnel. Ça, c'est un arbre de Mario Pavone. C'est un arbre italien avec donc un genévrier Toigawa et un bois mort exceptionnel. Ça dépasse pas, c'est comme si l'arbre continuait. Il n'y a rien qui ressort. Le mouvement du Tenjin, en fait, continue le mouvement de l'arbre. Voilà. Là, bien sûr, tout le travail de densification des plateaux. Il y a aussi un travail exceptionnel sur le bois mort et sur la veine, hein, le genévrier. On voit bien la veine rouge sur le bois blanc. Donc les Italiens, ils aiment beaucoup utiliser le liquide Ajin. Et on retrouve dans leur conception de bonsaï, par exemple, les couleurs du drapeau italien. Si vous regardez bien, vous avez... Mais oui, c'est vrai, hein, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous avez le blanc, le rouge et le vert. Imagine l'arbre qui était avant, quoi. Oui. C'est genre tout ça, c'était vivant. Il était gigantesque, en fait. Il y a une branche sur le côté. Pour retrouver cette densification sur le côté, il a fallu des années et des années de travail, quoi. C'est impressionnant la qualité de cette exposition. Ouais. Mais c'est la quantité aussi. Il n'y en a pas un qui est bien et puis les autres moyens. Il doit y avoir une centaine de présentations déjà. En plus, on a des présentations de show-in et on a des présentations également de poterie. C'est un niveau assez exceptionnel. Moi, ça fait une heure, j'ai fait qu'un dixième. Ouais. On a fait qu'une année. Tu m'as emmené là, comme ça dans des arbres, mais j'en suis pas encore là. C'est... Qu'est-ce que tu en penses globalement? Qu'est-ce que ça te donne comme ressenti? C'est énorme. C'est énorme. On voit tout le travail. On voit. Il y a des arbres qu'on n'aura peut-être jamais sur nos étagères. Non, on peut dire jamais. Et on peut dire jamais parce qu'il y a une base qui existe déjà de base. Après, tu as tout le travail derrière. Alors, il y a beaucoup d'imports japonais. On a pu constater. Il y a beaucoup de poteries japonaises. Et après, on a quelques arbres quand même issus du monde européen, je veux dire, puisque ce sont des yamadori, des prélèvements. Il y a des espèces. Il y a des hêtres. On a pu voir également des charmes des pins sylvestres, principalement. Hein. Tout ce qui est genévrier, c'est généralement des importations. Ouais. Les ifs aussi peuvent être européens. Hein. On en a vu quelques-uns. Donc, un niveau globalement européen qui est très impressionnant. Ouais, on ne trouve pas trop les mots parce que... Il y a aussi des règles aussi qui sont... Un petit peu cassées. Ouais. Il y a des choses, je ne savais pas que ça pouvait passer. Enfin, par exemple, l'espèce de porte de jardin. C'est un volet, je crois. Hein. On a un charme derrière nous là, qui est présenté sur carrément un volet. Avec les feuilles éparpillées. Moyogi tout à l'heure qui a une forme un peu étrange avec des branches tellement basses qui ne correspondent plus aux normes classiques. On dirait qu'il y a un certain niveau de maturité, on peut se permettre... Ouais, tout à fait. Donc on voit qu'on peut changer, on peut sortir de la norme. Alors c'est peut-être qu'en Europe qu'on voit ça, du coup. Non, parce qu'au Japon aussi, je veux dire, à un moment donné, ils présentent des arbres, ils changent de la norme, tu vois, le maître doit sortir, on reste dans le classicisme au départ et puis on va se faire remarquer, on doit être original. Tu t'es fait plaisir un petit peu, t'as acheté des choses au fait J'avais pas prévu de budget et je vais essayer de me forcer à pas dépenser. Ouais. Parce tu te réserves pour plus tard quoi. Parce que oui, il y a de quoi acheter.
Bah, c'est de quoi se faire plaisir, hein. c'est un magasin de shopping. Quoi. C'est... c'est le shopping, il faut faire très attention. Hein, parce mais que le portefeuille, y a pas de, ça part y a très pas très de solde, quoi. Ah, ouais, voilà, il n'y a pas de solde. Donc, moi, j'ai juste acheté un livre personnellement. Ouais. Mais après, après, vous pouvez acheter de l'outillage, vous pouvez acheter. Oui, puis il y a des marchands en ligne qu'on voit en vrai. Ça, c'est, ouais. ça, c'est sympa, c'est bien, de voir qu'il y a des gens derrière le site aussi. On a croisé plein de monde, on a croisé Walter Paul qui est en train de se reposer tranquillement, on a croisé des gens qu'on voit en vidéo seulement et on voit en vrai, c'est toujours bizarre. Hein, c'est... Et puis derrière, les gens qui sont derrière la caméra aussi, par exemple Oscar de Bonsai Empire, donc là qui est très sympa aussi. Mm-hmm. On a croisé, bon hier vous avez vu tout un tas de monde hein, sur le stand de Alexandre Escudero de Bonsai Showin, mais on est allé découvrir aussi d'autres stands, plein de Français. Ouais. Et les démos aussi. Et les démos qui sont les sympas. Démos, là, on voit des gens. On voit des gens qu'on voit que dans les livres. Ouais. Et là, on les retrouve. et puis, ils sont à proximité. Vous pouvez discuter un peu avec eux. Ouais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou une question. Je ne manquerai pas de vous répondre.